Dans le cadre de notre exposition Vert Palette de Printemps, passons une minute en compagnie de Charles Camoin. La baie d'Ajaccio à l'eucalyptus et le paysage méditerranéen de Charles Camoin enchantent notre regard et une fraîcheur de vivre nous envahit. Né dans un pot de couleur à Marseille et acteur majeur du mouvement fauve, Charles Camoin se révèle être un véritable ambassadeur des rivages méditerranéens. La Corse, où il séjourne en janvier-février 1906 avec sa compagne Émilie Charmy, est une véritable source d'inspiration et un prétexte pour exalter la couleur. Le vert envahit la composition, contraste avec les bleus, rouges et mauves. Le tout s'illumine grâce aux nuances de jaune et du vert véronèse tant vanté par Cézanne. La baie d'Ajaccio à l'eucalyptus incarne la période fauve de Camoin. Elle est exposée dès 1907 dans la célèbre galerie d'avant-garde du marchand Henri Kainveler.